Sergi. Qu'est-ce que tu fais? Un reportage d'investigation, monsieur. Bah oui. Tu me causes infection respiratoire depuis 2 vidéos. Des moyens de se protéger, de protéger les autres, mais concrètement, en vrai. Sur le terrain, qui est concerné? Donc tu t'es dit, je vais passer voir tout le monde, les interroger, confronter les versions et établir les faits. Tu te la joues Élise pour chat investigation. Bien vu, Sherlock. Tiens, voilà les filles, pousse-toi. Émilie, Julie, Luce, vous êtes respectivement infirmières, médecins et aides-soignants. Question simple, j'attends une réponse précise et sans ambiguïté. Êtes-vous, oui ou non, concerné par la prévention des infections respiratoires? Tu plaisantes? Bien sûr qu'on est concerné au quotidien, en adoptant les précautions standards et si besoin, les précautions complémentaires. Et même que moi, je les prescris, les précautions complémentaires. Plus concerné, tu peux pas. Et la preuve? On t'utilise à longueur de journée et parfois même on a besoin de tes potes. Xavier le tablier, Odette les lunettes, Georgie et même Pitou. Ouais, ouais, son cash, j'adore. Tiens, voilà Carla qui sort de la chambre de Madame Martin. Hey, moi aussi je fais ma part. En réduisant la transmission des micro-organismes via l'environnement dans la chambre, mais aussi dans l'ensemble de l'unité de soins. Merci Carla de votre franchise. La caméra ne ment jamais. C'était Petit Chat pour France 36 en direct de... Pop, pop, pop. Pousse à fond tes investigations, veux-tu? Il te manque du monde. Par exemple Amir, notre cadre, ou encore Sophie, la directrice. Ah oui, mais bon, je ne suis pas vraiment à l'aise. Ils vont me parler de protocoles, d'indicateurs, tout ça, tout ça. Bon, ok. Amir, Sophie, comme avec vos collègues, je vais aller droit au but. Êtes-vous ? Oui, j'assure l'organisation, l'approvisionnement en matériel adapté et veille au respect des protocoles. À vous, Sophie. Moi, j'applique une politique institutionnelle de prévention des infections respiratoires. Commande, formation, communication, suivi des indicates. Je crois qu'on a compris. Vous avez vu Madame Martin ? Parce qu'elle en aurait des choses à dire sur ce qu'elle fait pour éviter de se contaminer et de diffuser ces micro-organismes respiratoires. Non, je dis pas que c'était mieux avant, vous n'existiez pas. Mais si tout le monde faisait comme moi, une petite friction avant de manger... Tiens, je le disais encore hier à mes enfants, c'est pas comme si le lavabo... Je crois que t'as vu tout le monde. Du coup, conclusion. Ils sont tous concernés et ont tous chacun leur rôle dans la prévention des infections respiratoires. Yeah ! Un pour tous et tous pour un. Dis, t'as vu ? Sophie nous a pas parlé des coups ? T'inquiète, ça va venir.